La fête des boudins demande une préparation longue et minutieuse. Dès le milieu de septembre, 3 semaines avant la date des réjouissances, on s'affaire à ramasser les pommes pour fabriquer 2 barriques de cidre. Un cidre de qualité est un mélange de pommes douces qui donnent grâce à leur sucre la teneur en alcool, de pommes amères qui facilitent la fermentation et une faible quantité de pommes aigres qui évitent certaines maladies. La bedange, la calvin, le petit doux, le verdoux sont quelques-unes des variétés utilisées à Saint-Vincent-sur-Oust. Cette superposition de pommes et de paille de blé, autrefois de seigle, s'appelle en gallo le sa. Le premier sa prend aussi le nom de ja. Le dernier, lui, se nomme laoué, en référence à l'expression plumé laoué. Cette métaphore, utilisée dans le cadre de la fabrication du cidre, exprime bien l'image des pommes pressées de tout leur jus. Le sa subit 2 ou 3 coupes en fonction de sa hauteur avant d'être mis au rebut. Deuxième ? Oui, mais attends, tu vas l'attendre, tu vas la donner. Après, tu le.
C'est vraiment une fête. Voilà la bonne année que Dieu nous a donnée, que Dieu nous a donné du cidre en abondance. Sachons le remercier de sa bonne providence. Les barriques et les fûts se sont tous enchéris. Les barriques et les fûts se sont tous enchéris. Les barriques et les fûts se sont tous enchéris. Et le moulin à pommes qui n'en a plus de prix. Nous sommes maintenant la semaine précédant le repas de boudin. Pendant 3 jours, le club du troisième âge, en collaboration avec 4 personnes du comité des fêtes, va préparer le bouilli, le pâté et les boudins. Vous devez préparer combien de kilos de tête comme ça pour la salaison? Combien de kilos de tête? Il y a 250 kilos de tête. Et la salaison se passe au même endroit ou elle se passe... Oui. Et ça consiste en quoi la salaison? La salaison, bon, ben, ça consiste pour la bouillie du dimanche. Hein? Ça se prépare comment alors? C'est simplement mettre du sel avec la tête de cochon? Oui, mettre du sel, après la tête, elle est déjà raide. Il y a la poitrine que vous allez voir tout à l'heure, que je vais préparer là tout de suite. Et on sape ça. Et après, bon, ça c'est la salue ou c'est le dimanche. Et le dimanche, on en fume. Ça c'est le bouilli, on appelle. Vos cochons, ils viennent d'où? C'est vous-même qui les avez préparés? Ah non, ça nous fait pas travailler. Il y a des cochons, on dit, sous le cochon. Non, on peut dire, là, c'est notre mine. Mais si nous avons encore un peu ça dans les chaliers, on enlève ça. Ah oui, Oh.
fait pour savoir, si. Si. Oh, ça va bien. C'est bon, hein. Il y a Alphonse. Le mercredi fut uniquement consacré à la préparation du bouilli. Aujourd'hui, le pâté et les légumes pour les boudins sont à l'ordre du jour. On peut dire que la crépine, c'est une décoration ? Ben, ça fait un petit peu, oui, mais ça tient le pâté. Ça tient la viande, quoi. Oui, quand ça le pâté, il tient le repos. La femme est rigolote, la femme à Manuel Jean, avant qu'elle arrive arrivée par ici à 10 ans, ça, oh là là, comment qu'il peut faire des belles fleurs comme ça sur le papier? Je me demande, t'as dit comment. Ben oui, alors elle dit comme ça. Je me demande comment qu'il peut faire les belles fleurs comme ça. Et après, quand elle a vu ça, c'est de la pipi. Tu vois, tu dis que c'est bête, t'as dit. Mais toi, t'en as pas vu. Non, t'as pas jamais vu. Il a dû être fait un peu avant la guerre de 14, ce fourrage.
me rappelle pas, je suis né en 14, alors... Mais enfin, je vois à peu près, quoi. Vous l'avez donc vu fonctionner, alors? Oui, bah, il fonctionne encore. Il fallait mettre du bois dedans, puis... Alors, comme on a le boulanger en retraite, là, alors c'est lui qui s'en occupe, il s'habitue à cuire ça, il connaît le four, alors... Il cuit juste, ici, à l'intéressant. Hein. On trouve ça bon après, hein, quand c'est que c'est... On est pour casser la coupe. Ah. On peut une autre ? Oui. Voilà, ben c'est tout ce qu'on peut mettre là. Hein. Oui, il oui, faut pas casser les casses. Bon, attends, je rentre dedans. On va décharger. Pas tous les tricots. Ouais. Daniel a demandé quand est-ce que ça aurait été prêt, à quelle heure? Bon, 10h... 10h30, quoi. Oh, avant. Avant. Là, t'amènes pas ton pantalon, Pierre. C'est-il marqué au journal, hein, nos 65 ans, les 60 ans, comment? Encore, non. Ah non? Ceux-là et puis les autres, il y en a plus épais, là. Ceux qui sont au fond. Tiens, là. Oui, mais c'est pas fond. C'est ceux grands, là, qu'il faut prendre. Oui, oui. C'est les frangins, ça, non? Non, c'est pas, non? La mère et les filles. Ah, c'est oui, tout? Ouais. C'est tout, oui. L'année prochaine, je sais pas trop si je dois pas faire un manche. Ça dépend. Fais ça, toi? Ah, bah, je fais ça, mais je connais ça parfaitement. Hein. Une journée s'achève à peine qu'une autre commence, peut-être la plus éprouvante. Celle de la préparation des boudins. Thank you.
Les ingrédients utilisés sont la gorge et la poitrine du cochon, des poireaux, des choux, de l'herbier, des oignons, du sel, du poivre et du sang. Mais pour faire un bon boudin, il ne suffit pas de connaître ce qui le compose. Comme toute préparation culinaire, c'est du doigté du chef cuisinier dont dépend la qualité du boudin. Quand même beaucoup plus de temps que là-bas, ta fille, là. C'est peut-être des flammes, là. C'est rigolade, là. Là, tu auras pour ta postérité. Comment? Tu auras pour ta postérité la démonstration de fabrication de poulain à la main. Façon main, ça. Poulain, façon main. Ouais. Le grand patron. On va le prendre en photo lui aussi. Il va mettre la main à la porte, lui, il n'est pas blessé. Attends, je vais aller à l'eau. Tiens, vas-y. Le boudin fait à la fait main. Un sourire, monsieur, là. Un beau sourire. 4,95. Les boudins sont meilleurs. Voilà, ça compte comme ça. Alors, d'un bout, on reçoit les boudins, enfin, les frites pleines de boudins. Alors après, ben, on les sort et on les bourre aussi parce que c'est plus ou moins bourré. Alors, faut que ce soit à peu près régulier. Et puis alors, ben, on les met là, pour ajuster. Alors, un bout de ficelle d'un bout, un bout de ficelle de l'autre. Et puis alors, on les met dans un autre récipient au bout, parce qu'il faut bien s'en débarrasser. Alors, ils sont comptés, là. Alors, on fait le total général, il faut qu'on arrive à 1300, 1400 boudins pour les 1000 personnes. Parce que nous, on les goûte auparavant aussi, à la sortie du bain. Voilà. Alors, tiens, je vais te montrer un truc, là aussi. Alors il y a la bobine de fil évidemment, alors on la met sur un axe, c'est fixé provisoirement, mais enfin ce qu'il y a, il nous faut des longueurs de fil aussi égales que possible, ça fait plus propre. Alors là il y a une chose, on enfile ça comme ça, et puis alors quand c'est plein, moi, je fais ça parce que je suis blessé aujourd'hui, et pas si un autre. Bon, alors on fait ça comme ça, et puis alors, lorsque c'est plein, avec un couteau, je vais prendre le couteau. Ah, ça veut dire. Ici. Ça y est. Et voilà un poignet. Tout simplement. Alors on enfile ça sur le chantier. Et puis alors il se sucre. Voilà. Du coup, ça donc c'est pas trop plein. Alors voilà.
Allez, il se détache en force. Ici. Je dis qu'on garde toujours même pas mes sabots. Ils sont tous neufs, je les porte. Voilà. Nous, ils bottent la galerie. On a le pied là. Moi qui sois, mais dis donc, ouais. Ça fait que j'en ai envie. Allez, vous voulez prendre un peu par le bois, des Il n'y en a pas tout à fait 1400. Oui, 1300. Oui, comme les gardiens, on va en faire 1500. Quoi. Ah, il y a longtemps que j'en parle. Ah bon? Tu voudrais qu'elle en aurait des bouts d'oreilles? Tu veux pas ça? Pourquoi donc? Si! Comment il y a les prochaines mises en règle, bien sûr. Oh, ben, on en aura d'autres. Tiens, l'année prochaine, vous pouvez en faire d'accord. C'est quoi là, la prochaine étape? Alors là, pour aujourd'hui, c'est, ça va être clos là. Et bah, la prochaine étape, c'est dimanche. Hein. Demain, il y a les rôtis. Les rôtis, la désossée, les rôtis. Puis après, on va voir. Voilà. Ah, ça. Voilà. Bon, ben, dimanche matin. De bonne heure et de bonne humeur. Maintenant, ils ont leur panier. Voilà. Le jour J est arrivé. Nous sommes le dimanche 9 octobre. Que la fête commence.
C'est bon, ça fait une heure, non, c'est bon. C'est quoi aujourd'hui? Non, c'est TF1. C'est TF1. Les torchons aussi, sont Par en dessous, voilà. Bon, c'est une autre chose à répondre. Ce qui va répondre, il me donne le même. Il est mort là-dedans ou quoi? Il est mort?
Avant le signal. Est-ce qu'il y a une affaire à bronzer? Il y a une danse composée de jeunes gens, composée de jeunes gens.
Ça vous arrive pas du tout, hein? De boire? Bien sûr, je l'ai vu. Pas du tout, même, hein? Pas tout, non, mais moi. Allez, François.
Hein? Allez, au revoir. Hein. Ce n'est qu'un au revoir. Allez, on va être filmés tous les deux. À l'année prochaine.